L'alachot. Bessorot Tovot Rabotai, on est le 14 aujourd'hui, dans le mois de Tammuz. Ce soir, si Dieu veut, c'est la Iloula de Rabbi Haïm ben Attar, le Orachaim Akadosh, la même période du Baal Shem Tov, ça remonte à 250 ans à peu près. Alors si Dieu veut, chacun ce soir et demain, qui pense à prendre une petite touche de la paracha et éclairer un peu la vie, ça veut dire ça en hébreu, Orachaim, la lumière de la vie. Et justement, si on va partager de sa part quelque chose qui est basé sur le Zohar Akadosh, qui nous raconte cette plus belle histoire, la seule fois où Dieu il devait créer, déjà dans la création du monde, juste avant Shabbat, la bouche de l'ânesse qu'elle va s'ouvrir dans la paracha. Vous connaissez l'histoire avec Bilam, qui il a tout tenté pour aller, Chas Veshalom, nous bénir à la fin. Il a réussi, hein. Il nous a bien bénis. Mais Dieu, il a essayé de, on va dire, de l'empêcher, de l'envoyer des signes. Et un des signes incroyables, c'est qu'à un moment, l'ânesse, elle ouvre la bouche et elle regarde son maître. Et qu'est-ce qu'elle commence à se plaindre? Lamazei kitani, zeshalosh regalim, pourquoi tu m'as frappé? Tu ne te rappelles pas tout le bien qu'on a passé ensemble, etc. Chers amis, bien sûr que je vous laisse faire des devoirs. Pourquoi l'ânesse, elle parle? Et pourquoi Bilam, il ne voit pas l'ange, etc. Mais aujourd'hui, il y a une touche royale du Zohar Akadosh, magnifique, qui nous apprend que la seule différence entre les êtres humains et les animaux, c'est quoi? C'est qu'on parle. Pas tout à fait, les perroquets aussi, ils peuvent parler. Et l'ânesse, on vient de voir qu'elle parle. Et dans le Talmud de Souka, je crois dans la page 28, là-bas, vous voyez que Rabbi Yochanan ben Zakkai, il écoutait le langage des palmiers, des arbres. Et dans le Talmud de Sanhedrin, là-bas, on parle de la siha des oiseaux. Il y a des oiseaux qui parlent entre eux. Il y a des histoires dans le Talmud qu'un corbeau, il a dit à un rabbin, « Vas-y, sauve-toi, le mur, il va tomber. » Il n'a pas écouté. Après, c'était un pigeon, hein, pardon, une colombe. Alors, ça existe le langage des animaux. Quelle est la différence entre nous et les animaux? Voilà la révolution du Zohar. Il dit pourquoi Dieu, il n'a pas laissé les animaux parler? Parce que si on aurait compris ce qu'il parle, il parle que, écoute, j'ai mangé ça, il y a ça à manger, va là-bas, attention, il y a un danger, il y a une tempête. C'est en fin de compte des conversations qui ne sont pas utiles. Il n'y a rien de constructif pour avancer dans la vie, pour réparer un des traits de caractère. L'inverse. C'est des conversations juste, ça mange l'économie. Parce que s'il va le dire là-bas, il y a des mangers, là il y a des fourmis, c'est pour enlever un petit peu ce qu'il y a dans le monde. Donc Dieu il a dit, si c'est pour écouter ça, il vaut mieux qu'on ne comprenne pas leur langage. Mais pour une fois que l'ânesse elle a ouvert sa bouche, qu'est-ce qu'elle a dit? Pourquoi tu m'as frappé? Ce qui veut dire que si quelqu'un, il ouvre sa bouche pour se plaindre, et pour dire, ouais, l'autre il m'a fait ça, et pourquoi t'as oublié ce que tu m'as fait? Malheureusement, c'est Hamar, on dit comme ça, c'est quoi Hamar? Une ânesse, ou le mari, le hamor. Si nous on parle des conversations non utiles ou encore plus graves que des plaintes, voilà la paracha, elle veut nous dire, ça c'est une conversation d'une ânesse. Si on veut être des êtres humains à l'image de Dieu et comprendre pourquoi il nous a donné la force de la parole, et Rabbi Haïm Vital, l'élève de Harizal, il dit la parole est limitée. Hein. Chacun, c'est marqué en haut combien de mots il a. Alors on va limiter aussi nos paroles, on va terminer avec ces 3 minutes ou peut-être plus aujourd'hui, de essayer de parler que des paroles utiles, et comme ça, Bezrat Hashem, on va voir la lumière de la vie. Orachaim Akadosh, Ruto, Tagen, Baradenu, Amen. Amar Rabbi Elazar, Amar.